On est dans le Kitsur Shulchan Aruch, Chelek Bet, dans la page 533, Siman Pe Dalet Dine Tolaim, de Alachot de Tolaim. On est maintenant dans la Alacha la Met Dalet. Im Tachanu Chumus, Shelo Belo Bdika, Vea Tolaim Shebo, Vassou Memeno Falafel. Yesh La Tire Tapen Falafel, Vea Achila, Rar Shalom Gamnu, Le Betelet de Tolaim, il faut savoir, avant de faire une introduction, que selon la halakha, elle nous dit « En mevatlim issur lechatrila ». On n'a pas le droit de prendre un issur et de l'annuler, a priori. C'est-à-dire que le bonhomme, il prend et il met le issur et il le rend moutard. Ça veut dire qu'il le fait rentrer dans un il y a 60 fois le issur. Ben c'est assou. Ou par exemple, tu sais que Vaddaï, tu as des tolaïm, tu as un plat de tolaïm, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux annuler ces tolaïm, c'est-à-dire que ce plat-là, il sera moutard. Tu écrases tout, comme ici, là, tu veux écraser tout, comme ça, le plat, il sera moutard, même qu'il y a des tolaïm dedans, il y a 60 fois les verres qu'il y a dedans, et ça sera moutard. Ça, c'est assou de faire. Ça s'appelle Mevatel Issour les Khatrila. Tu annules le issour a priori. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ainsi. Maintenant, si quelqu'un il a fait, sans faire attention, comme ici, si ils ont broyé un houmous, les houmous, ils ont voulu faire falafel, sans vérifier s'il y a des vers dedans, et ils ont fait falafel. Il dit le Rav, Yesh le Atir et ta falafel l'achila. On peut quand même permettre ce falafel pour le manger. Arrachez-le parce que toute leur attention, c'était pas d'annuler les verres. Le bonhomme, il est venu, il a pris ces verres-là, il a pris ce hummus-là, il les a annulés, il les a broyés. Comme il y en a qu'ils m'ont posé la question, ça, Anacha le Maase, il y en a en France. Des sortes de le persil, s'ils sont secs, il y a un problème. Quand maintenant, c'est sûr qu'il y a des tolaïm et les goïm. Qu'est-ce qu'ils font les goïm? Ils hachent la matière, le manger, mais pas avec une intention d'annuler. Ou même que si on va dire maintenant, ils veulent annuler, maintenant, ils veulent tout broyer, tous les verres qu'il y a dedans. Le goï, lui, c'est son intention à lui. Il ne peut pas. Lui, il n'a pas la mitzvah, le issur, de en mevatlim issur lechatrila. Mais là, si lui, il le fait pour son gain, pour lui-même, il n'y a aucun problème maintenant, l'ichora, je ne vous dis pas l'achat le maase, l'ichora, il y aura encore un problème de manger ce manger-là, parce que le goy, il le fait pour lui-même. D'accord? Ça ne s'appelle pas en mevatlim issur lechatrila. Il y en a qui veulent permettre. Il faut savoir de quoi il s'agit, quoi permettre, quand permettre, comment permettre. Parce que si maintenant le bonhomme, le juif, lui, maintenant, même s'il le fait pour, pas pour lui, il le fait pour un autre juif, il broie tout, kavana, il a la kavana de annuler le issou. Il sait vadaï qu'il y a des vers dedans, il sait. Et lui, il broie tout. Pourquoi tu broies? Je ne veux pas vérifier les vers. Je ne veux pas vérifier les vers, ça s'appelle vevatel issou le khatrila. Même s'il a fait ça pour moi, ça c'est assou. Ok? Même il y en a qui posent des questions. Alors comment Maran Shulchan Aruch, lui il a permis le miel. Alors comment on mange le miel, Yarden? Le miel, il y a des fois des pattes des abeilles. Qu'est-ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch et ses moutards? De prendre ce miel-là, de le faire fondre, quand tu cuis. Tu le fais fondre, il devient un liquide. Tu le passes dans une passoire très très fine ou dans un beged avé, un tissu qui est très épais. Bien, comme ça, tu fais passer le miel, que c'est déjà liquide. Comme ça, les pattes des abeilles, ils flottent en haut et ce miel, il sera moutard. Comment maintenant, toi, tu prends ce miel que les pieds... Le miel. Comment? Il y avait d'autres problèmes sur le miel. D'accord, mais on parle... Du miel, même. Comment? Le miel, il est fait aussi avec des... Top. Alors pour l'instant, au niveau du miel, Maran Shulchan Aruch, il permet parce que tu n'as pas la kavana d'annuler
les pieds des abeilles. Et là, quelle est la kavana, Kocha? La kavana de retirer les pieds des abeilles. Alors, mais là, tu n'as pas une kavana d'annuler, mais là, c'est moutard. Tu dis aussi que si on prenait un pied ou. Ça ne s'appelle pas bria. Ce n'est pas une bria. C'est pas une bria. D'accord. Un filo achi, le khatrila, il ne faut pas faire ainsi. C'est pour cela qu'on peut prendre le miel et faire ainsi, de prendre le miel, de cuire le miel, après de le passer dans la passoire. Machin, qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu as le persil. Tu as du persil, tu es sûr, qu'il y a là-bas des tolaïm. Voilà, maintenant, qui c'est qui t'a dit que ce n'est pas un problème? Comment il faut bien vérifier maintenant? Ah, il n'y a pas de tolaïm. Comment? Qui c'est qui t'a dit ça? Est-ce que le bon, il faut voir maintenant vraiment si la hashgacha, c'est une bonne hashgacha? On va avoir une bonne hashgacha? On n'a pas le droit de manger comme ça où on veut manger. C'est bon, c'est règle des falafel. Comment il a fait ce falafel? S'il n'y a pas une bonne hashgacha, tu manges n'importe quoi, tu manges un issou. Il est mévaté, là, issou. C'est quoi l'hashgacha? C'est pas nas? Je ne dis pas maintenant les hashgachos. Moi, je ne fais pas publicité. Donc, c'est pas une publicité, c'est. Il faut, maintenant, le bonhomme, s'il veut vérifier, qu'il pose la question. C'est pour qu'on ne trébuche pas, c'est tout. En général, une des règles, c'est quoi? Il faut que tu connais. Qui c'est cette cacheroute qui donne le tampon? Un. Qui c'est le rab? La cacheroute. Deux. Est-ce que le mashgiah cacheroute, il est là-bas? Trois. Et même s'il est là-bas, c'est maintenant le patron, il peut le, comment on dit ça, le séduire. Séduire, ça veut dire quoi séduire? Pas séduire avec de l'argent. Des fois, le mashgiah, il n'est pas costaud. Le patron, il lui dit, tiens, vérifie le riz. Il donne un sac de riz, il le met de côté. Et il vérifie pendant une heure, deux heures le riz. Et d'autre côté, le patron, il fait rentrer des bêtises. Il ça, fait n'importe quoi. Ça, on parle d'un restaurant. C'est un mashgiah sur place. Les petits chanouts qu'il y a partout, pas la peine. Il n'y a pas de mashgiah. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu fais montrer maintenant? Il n'y a pas de mashgiah sur place. Alors sur quel on est sommaire, sur quel adjoha? Si, mais... Les madrines, si maintenant, c'est une bonne hashgaha. Une très bonne hashgacha, ils sont censés de faire attention à cela, en général. Sinon, Stam, ils ne vont pas mettre l'hashgacha. Maintenant, nous, on étudie maintenant le Beit Yosef. Maintenant, l'hashgacha Beit Yosef, ils font comme au moins, qu'est-ce qu'il dit le rab? Au moins. Hazakobo. Yeah.